À mon retour du Japon, j'étais devenu une sorte d'insomniaque chronique. Je n'arrivais pas à dormir. Et chaque soir, n'importe quelle heure, je me levais pile à 3 heures du matin et je ne pouvais me rendormir qu'à 7 heures. Alors je me suis dit, il faudra faire quelque chose de ce temps-là. Et qu'est-ce que c'est qu'un insomniaque? C'est quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire. Sinon, on devient un lecteur, tout simplement, de nuit. Alors, j'ai pris sur ma table de chevet un petit carnet de notes et j'ai noté mes idées sur l'écriture, sur la lecture, au jour le jour. Des idées qui disent un peu ce que j'ai fait durant toutes ces vies-là. Des idées aussi qui permettent de faire comprendre qu'il y a un lien entre le corps et la littérature, que être en habit, c'est-à-dire en pyjama, c'est aussi un habit de travail. Et que la littérature, comme l'écriture, est une chose concrète et vivante.